Vous y allez chez le médecin, vous? Et chez l'ophtalmo, chez le dentiste, chez le gynéco? Il se passe combien de temps entre le moment où vous vous dites « il faut que j'y aille » et le moment où vous consultez? Pendant le confinement, 6 Français sur 10 ont renoncé à des soins médicaux. Circonstances exceptionnelles, oui, mais le phénomène date d'avant la pandémie. En période normale, 25% des sondés font passer leur santé aux oubliettes. Pourquoi? Quels territoires sont plus touchés par ce décrochage médical? J'ai voulu comprendre ce phénomène que les experts appellent le renoncement aux soins. Et les données m'ont amené loin des clichés. Parce que le grand écart, c'est voir les différences en un seul graphe pour aider à penser les bonnes solutions. Nous renonçons aux soins quand nous décidons de ne pas nous faire soigner alors qu'on en a besoin. Intéressons-nous à cette population de renonçants. Qu'est-ce qui motive cette décision? D'après le baromètre du renoncement aux soins, 49% des raisons invoquées sont financières. Attention, ça ne veut pas dire que 49% des Français renoncent à se faire soigner par manque d'argent. Ça veut dire que parmi toutes les causes invoquées par les renonçants, 49% sont financières. C'est quand les soins sont trop chers pour vous, par exemple, ou que vous ne pouvez pas avancer les frais. Ou alors qu'un arrêt de travail vous ferait perdre trop d'argent, ou bien simplement que vous ne savez pas combien vous devrez payer. Vous le savez, vous, combien vous devrez payer pour faire la prise de sang qu'on vous a prescrite? 19% des causes sont d'ordre pratique. Ça, c'est quand vous êtes trop loin des lieux de soins, ou que vous n'avez pas de transport pour vous y rendre, ou alors que l'offre n'est pas suffisante. Si le prochain rendez-vous chez l'ophtalmo, il est dans 9 mois, vous y allez, vous? Autrement dit, c'est une cause exogène. Et sur ce point, nous le verrons dans une minute, il y a des inégalités entre les territoires. 28% des explications sont personnelles, mais ni financières ni pratico-pratiques. Ça, c'est quand vous manquez d'informations sur les soins, sur les praticiens. C'est quand vous avez du mal à faire les démarches pour prendre rendez-vous. C'est quand vous avez peur, peur du médecin, peur du diagnostic, peur d'être mal reçu. Ou bien c'est quand vous négligez votre santé parce que toutes les tâches du quotidien prennent le dessus. Vous vous reconnaissez? Là, on touche à des causes intimes, cognitives, psychologiques. J'ai été surprise de voir que ces causes intimes étaient plus souvent évoquées que les causes pratiques. Pour Elena Reville, sociologue et chercheuse au sein de l'équipe qui a conçu le baromètre des soins, c'est l'apport fondamental de ces analyses. On a l'impression que les raisons financières dominent, alors que la réalité est plus complexe. Les causes externes et personnelles s'entremêlent. La complexité du système de santé, notre propre trajectoire au sein de ce système, plus ou moins chaotique, nos expériences vécues avec des médecins, plus ou moins bonnes, notre propre rapport au corps et à la santé, notre contexte actuel, professionnel, financier, tout cela participe à faire qu'on ne se soigne pas toujours à hauteur de nos besoins. Ça, c'est le tableau moyen en France du renoncement aux soins. Mais les moyennes cachent toujours des disparités. 49% d'explications financières en moyenne, mais c'est 30% dans les Ardennes et 63%, le double, dans les Alpes-Maritimes. Sur cet aspect financier, le fait de ne pas avoir de mutuelle, universelle ou privée, aggrave considérablement le risque de ne pas se soigner. L'accessibilité des soins explique 9% des renoncements dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est 3 fois plus, 30% en Lozère. Ces disparités territoriales s'expliquent par 3 facteurs. Les populations locales d'abord, leurs caractéristiques, leur niveau de revenus, leur niveau d'éducation, leur rapport à la santé, l'offre de soins disponible sur ce territoire ensuite, et enfin les mesures correctives qui ont pu être prises par certaines caisses d'assurance maladie. En effet, ces renonçants sont devenus la nouvelle obsession de l'assurance maladie et certaines caisses, comme le Gard, ont été précurseurs pour les réduire. Pour cela, il leur a fallu comprendre le type de soins que les personnes évitent, parce que de toute évidence, on ne soigne pas aussi bien toutes les parties de notre corps. Regardons maintenant la nature des soins auxquels les personnes renoncent. Un tiers des renonçants n'est pas allé chez le dentiste, que ce soit pour se faire poser un implant ou simplement pour faire soigner une carie. Ce qu'on évite le plus, c'est de soigner nos dents, nos yeux et d'aller consulter un spécialiste.
nous ne renonçons pas à ces différents soins pour les mêmes raisons. De manière générale, c'est plutôt pour des raisons financières qu'on renonce à acheter des lunettes, alors que c'est plutôt par un manque d'offres qu'on renonce à consulter un cardiologue ou un ORL. Et la trouille du dentiste est encore bien présente chez les femmes et encore un peu plus chez les hommes. De manière générale, nous ne rechignons pas tellement à aller consulter notre généraliste avec qui nous entretenons une relation de confiance. Sauf pendant le confinement où 4 Français sur 10 n'y sont pas allés. Le coût économique de ce renoncement aux soins est difficile à mesurer, précisément parce que le phénomène concerne bien au-delà de ce que l'assurance maladie avait imaginé, bien au-delà des seuls ultra précaires ou ultra marginaux. Le coût social à l'échelle des personnes est considérable. Il suffit de penser à la stigmatisation qui accompagne une mauvaise dentition. D'autant plus que le renoncement semble contagieux au sein des familles. Et dans la vôtre, est-ce qu'un rendez-vous médical, c'est banal? Est-ce qu'on parle santé? Est-ce qu'on sait naviguer dans le système de soins? Et ce rendez-vous chez le dentiste, vous le prenez aujourd'hui ou plutôt demain? Attention, ces données sont collectées par des enquêtes auprès des personnes qui poussent la porte des caisses d'assurance maladie. Ce n'est pas un échantillon représentatif de la population française, ce n'est pas le but. Quand il est déployé dans toute la France en 2018, le baromètre vise à évaluer si renoncer aux soins concerne une minorité ou plus largement. Et surtout, chaque caisse s'intéresse à comprendre les caractéristiques locales et spécifiques de ses renonçants. Il y a d'autres angles très intéressants sur le sujet du renoncement aux soins, comme par exemple, qui renonce le plus? Des femmes, des personnes sans activité professionnelle, des personnes qui vivent seules avec leurs enfants. Pas les agriculteurs, mais parce qu'ils sont plus nombreux à ne pas conscientiser leurs besoins de santé. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire les rapports de l'Audenor sur ces sujets. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si le sujet des inégalités vous intéresse, ne manquez pas les précédents et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.